danser quand elle s'approche du ring. L'abstraction permet à l'homme de voir avec son esprit qu'il ne veut pas voir avec ses yeux. C'est une expression d'Achille Gorky qui décrit l'art de mon interlocuteur. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse. Bonjour, monsieur Bardet. Bonjour. Merci pour accepter notre invitation. Parlez-nous un peu de votre carrière artistique. Comment avez-vous commencé? D'où vient votre passion? J'ai tout le temps été dans le milieu artistique, puisque j'étais styliste coiffeur. Et puis, vers l'âge de 23 ans, j'ai eu besoin de m'exprimer. En peignant. J'ai eu cette envie. Et puis, comme je suis autodidacte, que je ne savais pas peindre, ben, j'étais devant un problème. Alors, j'ai commencé par mettre de la peinture sous mes pieds, sous mes mains, et comme ça, j'ai représenté des scènes de mon quotidien. Et le goût à la peinture, à l'abstrait, disons, est venu comme ça. Et après, bien sûr, il y a eu l'évolution, la recherche de techniques, et puis voilà comment j'ai pris goût à la création et à l'abstrait surtout. Est-ce que vous rappelez votre premier tableau? Honnêtement, non. Je ne me rappelle pas parce qu'il y a très très longtemps. Comment votre jour commence? Qu'est-ce que vous faites quand vous... Ben, aujourd'hui, j'ai la chance de me consacrer à ma passion, à ma peinture. Donc, j'ai des journées tout à fait normales. Je suis toujours à la recherche, à expérimenter des nouvelles idées pour mettre en pratique après sur les toiles. Ouais. Je suis un peu absorbé, même si ça ne se voit pas, absorbé par ma passion. Vous dessinez le tableau abstract, donc chacun est libre de comprendre selon son imagination. Ouais. Mais quel est votre message, s'il y a? Alors, bon, déjà, je dessine très 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 rarement. Le message, il y a des toiles, normalement, je vais devant une toile et elle est blanche, je ne vois rien. Je choisis des couleurs. Ça, les couleurs, je les choisis. Alors, je les choisis suivant les émotions que je vis. Et c'est en peignant que je découvre le message ou ce qu'il va y avoir sur la toile. Ça m'embêterait de savoir, avant de commencer à peindre, de connaître le résultat. Ça, j'aime pas ça. Je suis quelqu'un qui aime surprendre, qui aime être surpris. Et j'aime l'inattendu. Et l'abstrait m'apporte tout ça. J'aime l'abstrait parce que il n'y a pas de lien avec la normalité. J'aime pas trop, mais ça c'est personnel. Pour moi, l'art n'est pas quelque chose d'académique. Quand vous installez pour dessiner, ça marche cet moment? Ouais, je ne sais jamais ce que je vais faire. Jamais. Sauf pour certaines toiles où j'ai des messages à passer, mais ça va être surtout dans la provocation. J'ai des toiles qui vont être provocantes, alors là c'est un message que je vais faire passer. Là, oui, là c'est réfléchi, c'est pensé. Je pense qu'on peut avoir une vie argentée, mais avec beaucoup de blessures aussi. Je veux dire, ces messages qu'on peut voir dans mes toiles, c'est mon subconscient. Je trouve qu'un artiste doit provoquer aussi. Ça, j'ai voulu parler de l'être et du paraître. Le paraître, c'est ce qu'on voit au premier abord chez une personne. Quand on connaît la personne après, eh ben, c'est ce qu'on voit. C'est le côté naturel qui revient toujours. L'être est toujours là. Pour moi, mes toiles, soit elles touchent les gens, soit elles ne les touchent pas. Soit on aime, soit on n'aime pas, et c'est très bien comme ça. C'est parfait. Quelle couleur vous choisissez quand vous êtes heureux et quand vous êtes triste? Je ne suis pas souvent triste. Je peins à l'acoustique, à la cire d'abeille et au fer à repasser. Donc, les couleurs qu'on obtient à la cire d'abeille, bien souvent, c'est des couleurs très éclatantes. Voilà. Si je suis triste, je ne vais pas toucher à l'acoustique, je ne vais pas peindre avec la cire d'abeille, je vais aller plutôt sur l'acrylique.
Pourquoi avez-vous choisi un restaurant pour votre exposition? Pardon, c'est un gros avantage, quand on est artiste, de ne pas payer pour exposer. Je ne suis pas trop pour exposer dans les galeries. C'est du business et on nous demande d'augmenter nos prix, un pourcentage, il faut payer. Est-ce que vous avez un tableau qui est très spécial pour vous? Pendant quelques temps, je veux dire. Pendant un mois, 5 mois, 6 mois, 1 an. L'idée m'est venue d'une chanson d'un interprète que j'adore qui s'appelle Arthur H. Et la chanson, c'est La boxeuse amoureuse. Et il parle de la femme battue. Et une main qui l'empêche de parler, qui est, on peut dire, une main assez violente. C'est noir autour d'elle, puis il y a du rouge, un éclat de rouge. Et donc j'ai fait un moulage d'un visage avec une main qui l'étouffe. Qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie sinon la peinture? Ce que j'aurais fait dans ma vie, c'est ce que j'ai fait aussi, toujours un côté créatif. Quelle est votre philosophie pour votre vie? Ah, ma philosophie aujourd'hui. Je vous parle de ma philosophie d'aujourd'hui. C'est de ne rien posséder. Je veux être un homme libre et pour moi personnellement, avec l'expérience que j'ai, le fait de posséder du matériel, on est attaché, on est lié. Ah, je souhaite à tout le monde de pouvoir un jour connaître leur liberté qui leur correspond. Parce que c'est un équilibre aussi avec soi-même. Quel conseil voulez-vous donner aux gens qui commencent son carrière artistique? De s'exprimer. De ne pas être formaté, d'oublier qu'on a été formaté. Pour moi, les gens que j'adore regarder peindre, c'est les enfants. Les enfants, ils ne sont pas formatés, puis ils ont une idée, puis avec leur naïveté, ils prennent le pinceau d'une façon, ou avec les doigts, tout ça. Et c'est, pour moi, c'est ça, la création. Des fois, on réussit, des fois, on est déçu, on se tape la tête contre le mur, on n'y arrive pas, on se dit, j'arrive à plus rien, je ne vais jamais plus pouvoir réaliser quelque chose. Et puis, on laisse la toile de côté, et une semaine après, on y passe devant, et puis, c'est vrai, hop, on commence à retravailler la toile. La création, c'est l'expérimentation, c'est être à la recherche. Pour moi, c'est ça, l'art. Qu'est-ce qui a rend si spécial à votre peinture? Actuellement, je suis dans une période où je peins à l'acoustique. Vous allez découvrir une autre façon de voir la peinture, c'est-à-dire que ces toiles que vous avez là devant vous sont en 3D. On rentre vraiment dans la toile, dans les profondeurs, et je pense qu'actuellement je suis le seul peintre à peindre en 3D. Donc oui, si vous voulez voir de la 3D, de la peinture en 3D, c'est à Corde qu'il vous faut. Oui, c'est vraiment différent. N'hésitez pas à satisfaire votre curiosité sur la peinture 3D.